Et enfin, le supplice s'achève, la 24e heure est tombée. Porsche est vaincu, non sans avoir opposé jusqu'au bout une farouche résistance qui fait d'ailleurs tout le prix de la victoire de l'équipe Renault-Elf. Celle-ci prend rang parmi les grandes pages du monde, puisque le cap des 5000 km a pour la première fois sur ce circuit été franchi. Au succès s'ajoute un prodigieux record qui le transcende. Après le drapeau à damier, l'arc de triomphe. Après la ligne droite des Hunaudières, dévalée à 350 km/h, la parade au pas sur les Champs-Élysées. Pour Pironi, Josso et l'équipe Renault-Elf, l'apothéose de la 25e heure est à la mesure de l'éreintement des 24 heures. C'est que la victoire au Mans est toujours durement acquise. Le seul moyen de triompher de son adversaire, c'est de lui survivre.